ses bras, elle me parlait tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est pour moi, moi pour être dans ma vie. Elle m'a dit la joie pour la vie. Quand elle me prend dans ses bras, quel plaisir de vous retrouver toutes et tous ce soir. Quel plaisir que la vie reprenne petit à petit ses droits. Quel plaisir de partager avec vous au quotidien ce beau projet qu'est l'Espace 110. Toute l'équipe est enthousiaste à l'idée de vous retrouver. Bienvenue chez vous. Bienvenue à l'Espace 110 Centre culturel d'Ilzac. Bienvenue à notre présentation de saison 22-23. Elle sera populaire, engagée et joyeuse. Cette saison sera celle des retrouvailles, celle de l'échange et du partage. C'est avec optimisme, volonté, persistance et surtout avec l'envie de ne pas laisser s'échapper nos rêves que nous l'avons construite pour réfléchir à un nouveau futur commun, nourri de plaisirs en tout genre et partagé. Avant d'en rentrer dans le vif du sujet, petite nouveauté pour cet été. La ville d'Ilzac, avec notre complicité, propose aux Ilzacois et aux habitants de l'agglomération mulhousienne nuit d'été. Des événements familiaux, fédérateurs, gratuits, organisés sous le signe du partage, de la convivialité et de la découverte. Vous y retrouverez la traditionnelle fête du parc, la fête tricolore, enrichie de concerts et de nouvelles propositions artistiques. Vivez la première édition de Nuit d'été du 25 juin au 27 août 2022. Tristesse de ces années chamboulées, nous avions besoin de vous projeter dans une saison de plaisir. Depuis le printemps 2020, être spectateur, adhérent, lecteur, festivalier relève de l'acte militant. Nous allons tout mettre en œuvre pour que cela redevienne une habitude, un plaisir de vivre collectivement des émotions et des moments uniques. Vous faire voir la vie en rose, l'Espace 110 en rose.
une programmation exigeante, en défendant une culture élitiste pour tous, des activités de qualité en offrant au quotidien d'autres horizons, un festival international de la bande dessinée et une bibliothèque à échelle humaine. Soutenir les artistes, notamment les compagnies du Grand Est, est une des missions que s'est donnée l'Espace 110. Depuis 2015, plus de 100 compagnies du Grand Est ont été accompagnées dans leur processus de création. Nous sommes particulièrement attentifs à la démocratisation et à l'accès de tous à la culture. Quels que soient les publics, nous mettons en place des actions autour de notre programmation, passerelles, rencontres avec les artistes, rendez-vous, ateliers de pratique. Toutes ces actions, nous les menons grâce au soutien sans faille de nos partenaires. Je souhaite vivement les remercier pour leurs actions à nos côtés au quotidien. La ville d'Ilzac, bien entendu. Je salue Jean-Luc Schilknecht, son maire, mais aussi son équipe municipale et ses agents, avec qui nous travaillons au quotidien, main dans la main. La direction régionale des affaires culturelles du Grand Est. Je salue Bruno Fuchs, député de notre circonscription, avec qui nous travaillons aussi dans une aventure commune. La région Grand Est, je souhaite excuser Jean Rotner et Arnaud Robinet. La collectivité européenne d'Alsace, Lara Millon, vice-présidente, que je remercie particulièrement pour son implication à nos côtés à chaque instant. La Caisse d'allocation familiale du Haut-Rhin, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Nous vivons un certain nombre d'aventures communes avec des partenaires culturels de proximité. Je profite de cette occasion pour les remercier. De nombreux sont là ce soir. Du fond du cœur, merci. Nos liens avec le centre socioculturel Le Fil d'Ariane sont de plus en plus forts. Nous en sommes ravis et ce n'est que le début d'une multitude de nouvelles aventures. Des entreprises soutiennent également nos actions culturelles et de loisirs. Elles participent à votre épanouissement et à nourrir votre curiosité, qu'elles en soient ici sincèrement remerciées. Je pense également à nos partenaires médias, surtout en ce moment. Toutes nos actions ne seraient rien sans leur aide précieuse et constante. Nous sommes convaincus du rôle essentiel de ces derniers qui œuvrent au quotidien avec sérieux, qualité, au dynamisme de notre territoire. Je remercie, bien sûr, l'équipe de l'Espace 110 pour avoir su travailler dans un contexte difficile, sans jamais baisser les bras, ni perdre son sens de la bonne humeur. Elles sont rares, ces équipes, où il n'y a rien d'autre à dire que bravo et merci. J'aurai le plaisir de vous les présenter au cours de la soirée. Permettez-moi aussi de saluer l'ensemble de nos professionnels qui interviennent dans nos 130 activités de loisirs. Ils vous feront vivre une nouvelle saison de plaisir. Il est essentiel pour moi de vous faire part également des relations avec le conseil d'administration et surtout le dévouement quotidien de son président, Jean-Pierre Verdaillan. Permettez-moi également d'être égoïste et de profiter de cet espace pour remercier mon épouse et ma fille. Sans elles, je ne pourrais au quotidien avoir la force de mener cette belle aventure. L'Espace 110 est un lieu de création, de liberté, de débat et de rencontre, où artistes et invités, équipes permanentes et intermittents se mobilisent quotidiennement pour vous accueillir et partager avec vous. J'aimerais alors pour finir saluer et remercier l'ensemble de ces artistes présents ce soir avec qui nous partagerons des moments de plaisir. Belle saison de plaisir à toutes et à tous. Et nous accueillons nos premiers invités en musique. Eh bien, sans musique, venez, rejoignez-nous. On les applaudit bien fort. Bonjour Mathias. Quand 12 talents de la danse contemporaine venus d'Afrique et d'Europe vous donnent rendez-vous sur scène, cela donne un ballet choral joyeux, à la vitalité débordante. Un tableau pétillant de percussions corporelles et de motifs rythmiques revigorants.
Vous aviez découvert la saison dernière le travail d'Ella Fatoumi et Éric Lamoureux de Via Danse, le CCN de Belfort, en ouverture de la dernière quinzaine de la danse avec le spectacle Expose. Ils sont de retour pour lancer avec nous cette saison de plaisir. Charline Esman, notre responsable des publics, va m'accompagner toute la soirée pour vous présenter l'ensemble des actions que nous menons autour de la programmation. En lien avec la programmation culturelle et pour prolonger l'expérience du spectacle, vous pourrez cette saison découvrir une sélection de 6 films, 7 expositions, 3 brunchs littéraires, 5 passerelles et de nombreux liens avec la bibliothèque. Ce premier spectacle en est l'exemple parfait. Pour ouvrir le bal, nous vous proposons de découvrir le film « Akzak, danser sur les frontières » d'Élise Darblay et Antoine Depeyre, l'exposition « Rain Drum » de Delphine Gatinois, un brunch littéraire ayant pour thématique la littérature africaine, une exposition « Danse petite lune » de Fred Sauchard et un conte d'Innocent Yapi à la bibliothèque. Voilà de quoi vivre un véritable parcours autour de « Akzak ». Un geste de toute beauté. Une belle traversée où l'intime flirte chaque seconde avec la théâtralité. Les possédés d'Ilfurt est nourri de la belle simplicité, celle qui nous laisse pleinement voir l'acteur. Et quelle virtuose! Lionel Lingelser du Moonstrom Théâtre embarque le public dans une folle aventure si intime et tellement universelle. Alors moi, je suis né dans un petit village au sud de Mulhouse qui s'appelle Ilfurt. Et dans la bibliothèque de ma grand-mère, j'ai découvert quand j'étais petit, ce livre qui s'appelle « Les possédés d'Ilfurt » et qui relate les deux derniers cas de possession qu'on a eu en Alsace. C'est donc l'histoire de Thibaut et Joseph Burner qui avaient 7 et 9 ans, on est en 1868, et qui sont atteints d'un mal étrange, et de phénomènes étranges qu'on découvre chez eux. Très vite, l'Église s'en empare et affirme donc que c'est le diable donc, qui est à l'origine de ce mal. Ils seront exorcisés 5 années plus tard, un notamment dans la chapelle Bornkirch, qui est encore donc, au centre du cimetière de mon village Ilfurt. Donc cette histoire, elle me touche doublement parce que c'est une histoire déjà locale, c'est une histoire vraie. Et puis aussi parce que ces possédés, ils ont grandi dans la maison dans laquelle mon grand-père a grandi. Cette histoire, on va la découvrir dans le texte que j'ai demandé d'écrire à Yann Verburg, donc c'est mon autre complice qui va m'aider à raconter cette histoire. Cette histoire, on va la vivre, vous allez la vivre grâce aux yeux d'Elios. Elios, c'est un petit garçon qui est villageois d'Ilfurt et qui va être aussi lui victime d'un diable. Pour renforcer les liens et découvrir l'univers des artistes qui s'arrêtent dans nos murs, des rencontres et des ateliers de pratiques artistiques sont régulièrement proposés. Lionel Lingelser vous invite à une passerelle d'initiation au masque neutre. Fanny Depoule, surprenante femme orchestre qui mêle rap, slam, pop et chansons françaises. Après 3 ans d'ascension fulgurante et plus de 180 scènes du Paléo jusqu'en Chine, Fanny Depoule est devenue l'une des artistes majeures de Suisse romande. Avec naïveté, humour, elle raconte l'amour qui s'écroule, les fins de mois difficiles, la découverte de soi, de nos petites maladresses, l'intolérance, et tout, on va dire, le rapport existentiel aux prises avec le nouveau siècle. Sur scène, on m'a déjà dit que j'avais une voix de crooner. J'y crois pas. Fanny Depoule. Fanny Depoule. Fanny Depoule. Fanny Depoule. Un triomphe pour mademoiselle Fanny Depoule, s'il vous plaît. Merci, bonne soirée. J'ai arpenté les rues à la recherche d'une tétanance
avance en marchant sur des pigeons comme sur des clous. On enfonce tête baissée, ma jambe dressée, dans pas décider, pas le temps de patifoler, sauf si on m'offre un café. C'est babilou, vila, vila, c'est babilou, vila. C'est dans l'obscurité menaçante de la nuit coltésienne, dans une magnifique scénographie, que Jean-Christophe Folli, mis en scène par Mathieu Cruciani, co-directeur de la Comédie de Colmar, incarne le verbe brut, totalement exalté et sans compromis de la nuit juste avant les forêts. Nous co-accueillons ce spectacle avec la filature Scène nationale de Mulhouse. On regarde quelques images et on laisse Mathieu nous parler de sa création. Camarade, je te trouve et je te tiens le bras. J'ai tant envie d'une chambre et je suis tout mouillé. Maman, j'ai cherché quelqu'un qui soit comme un ange au milieu de ce bordel. Et tu es là. Je t'aime. Maman, maman, maman. Je dis, ici, chez moi. S'il n'y a pas de travail, je travaille pas. Si le travail me rend dingue et qu'on me pousse au cul, je travaille pas non plus. Je veux me coucher. Je veux m'expliquer une bonne fois. Je veux de l'herbe. Camarade ! Mathieu ? Bonsoir à tous. Une minute ? Allez. Allez, une minute. C'est un projet qui s'est fait beaucoup autour de... Si je dis des choses positives sur ce projet, ce n'est pas de la prétention. Ça s'est fait beaucoup autour de cet acteur-là dont vous avez vu quelques extraits, qui est Jean-Christophe Folli, et que je tiens pour être un des jolis miracles de la scène française. C'est un type d'un talent absolument dingue, d'une puissance, d'une liberté que je trouve assez unique. Et en plus, c'est un des hommes les plus charmants, sympathiques du monde. On a un ratio humilité-talent qui est extraordinaire. C'est en discutant avec lui qui m'a dit qu'il avait ce rêve de travailler sur cet immense texte de Coltès, La nuit juste avant les forêts, dont l'histoire tient sur un timbre-poste. C'est vraiment un homme seul, une nuit, qui cherche quelqu'un pour trouver un endroit où dormir. C'est un monologue comme ça, une espèce de chant assez formidable qui se développe sur un peu plus d'une heure, qui est d'une grande clarté. Le miracle de l'écriture de Coltès, c'est que c'est, on a l'habitude de dire de Racine qu'il emploie vraiment très peu de mots compliqués. Ici, c'est encore plus simple. C'est le chant lexical d'un enfant de 8 ans. Et pourtant, il réussit à agencer vraiment une cathédrale comme ça de verbes assez formidable. Ajoutez que c'est rare. Je pense qu'on ne va pas le voir des tonnes, en fait, ce mec-là. Il vient d'avoir la Palme d'Or. Enfin, il était dans le film qui a eu la Palme d'Or, Jean-Christophe. C'est rare de le voir sur un plateau. Il ne faut pas, à mon avis, tarder. Et c'est rare aussi de trouver un texte, comme La nuit juste avant les forêts, qui, à ce point, réussit à lier une espèce de poésie fondamentale avec des engagements politiques, pas militants, mais politiques très forts. Je termine en disant que pour Coltès, il y avait trois choses qui l'intéressaient quand on sortait de ces spectacles. C'est est-ce que le public a compris ? Est-ce qu'il a ri ? Et est-ce qu'il a beaucoup applaudi à la fin ? Et on s'est dit que c'était une bonne manière aussi de travailler sur cette chose-là. Donc j'espère que vous viendrez. Ce sera sans doute la dernière saison de tournée pour celui-ci. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Mathieu. J'en profite juste pour dire que Mathieu est là en tant que metteur en scène, mais on travaille aussi avec le lieu qu'il co-dirige et que c'est un partenariat magique de chaque instant et on travaille dans une belle intelligence et je suis très content aussi de l'avoir au plateau avec nous ce soir. Voilà. C'est merci. Partagé, merci. Et pour porter un autre regard sur la création, nous vous proposons de redécouvrir Taxi Driver de Martin Scorsese. L'opéra imaginaire est le deuxième volet d'un diptyque autour des questions existentielles que chacun se pose dès le plus jeune âge. Questionner le mystère de la vie, parler de l'âme, considérer notre relation au vivant, à tout ce qui nous entoure. Poser avec les enfants un autre regard sur le monde. Quatre chercheurs, poètes, musiciens se sont donné rendez-vous. Ils écoutent, observent, expérimentent, recommence, tâtonne, crée et raconte la vie, la mort,
le mystère, le divin. Il chante. On verse un peu d'eau sur le pas de la porte et marche après marche. L'eau descend l'escalier de pierre et s'évapore. Et l'âme s'évapore avec elle. Dehors, dans le ciel, on peut apercevoir Frau Holl. Elle veille sur les âmes. À ce spectacle, la bibliothèque exposera des toiles réalisées à partir de partitions de musique. C'est l'automne, le rendez-vous désormais incontournable de la création théâtrale en Alsace. 5 lieux, la Filature, scène nationale de Mulhouse, la Comédie de Colmar, centre dramatique national Grand Est Alsace, le Créa, la scène conventionnée jeune public de Kingersheim, la Coupole de Saint-Louis et l'Espace 110, centre culturel d'Ilzac, avec 5 équipes qui seront présentés sur cette édition, dont 2 programmés à l'Espace 110. Nous co-accueillerons avec la Filature, scène nationale de Mulhouse, la nouvelle création chorégraphique de Ezio Schiavulli, Jeu de société. Alors, ce spectacle est également accompagné par l'Est Danse, qui est un nouveau réseau de danse sur le territoire du Grand Est. Et Jeu de société va nous plonger au cœur des processus d'affiliation. Comment, finalement, au sein d'un groupe, se composent et se recréent les identités sociales, le réseau des relations de pouvoir, des processus d'identification. Et le plus simple, c'est que je vous propose... Alors, c'est des images de répétition, on est au tout début du travail. C'est une commande qui a été faite par le réseau Les Danses. Je vous laisse découvrir quelques images de répétition. Nous avons mis cette année nos énergies en commun autour de la création de Mathias Moritz, Hôtel Proust. Alors, elle est accompagnée par la Filature, par la Comédie de Colmar et par le Maillon également à Strasbourg. La pièce va s'engager dans la mémoire en convoquant une trentaine de personnages campés par 6 acteurs qui ont marqué le crime, la culture, la politique en 1995. Alors Mathias, je te propose de venir avec nous et venir nous dire quelques mots sur cette création qui est en pleine répétition. Oui, je commence à m'habituer au syndrome central. Alors, une minute ? Une minute. Ah, je vais être moins bon que Mathieu. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Thomas l'a dit, c'est une création, c'est-à-dire que je suis en plein dedans, c'est-à-dire que j'ai travaillé là pour l'instant 2 semaines avec 2 fois 2 acteurs. Donc on n'est pas encore à 30 personnages, mais on en est à 6-7. Hôtel Proust, c'est quoi ? On va tout de suite casser le mystère, ça n'a rien à voir avec Proust, c'est le nom de l'hôtel. Deuxième mystère, on a parlé de 95, on peut se demander pourquoi 95, parce que c'est l'année... C'est l'année de ce qu'on appelait politiquement la fracture sociale. C'est aussi l'année où moi j'ai découvert le théâtre et dans l'équipe, ces 6 merveilleux acteurs que j'ai convoqués autour de ce spectacle, on est tous de cette génération. On a traversé cette époque où jeter une canette dans la rue, en fait, c'était pas grave. Aujourd'hui, quand mon fils me voit, enfin, me voit pas moi jeter une canette, mais voit une canette par terre, il m'engueule parce que la planète prend feu. Pour retomber dans le spectacle, Hôtel Proust, moi, le pari que je me suis fait,
avec mes acteurs, c'est de me dire quel est le spectacle qu'on a envie de voir, quel est le spectacle de théâtre qu'on aimerait voir à votre place, vraiment. Et c'est un travail qu'on fait depuis 2 ans, se poser cette question. Et je vous invite à venir le 8 novembre ici, parce que soit vous allez voir le meilleur spectacle de votre vie, soit le pire. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, et je m'en réjouis, c'est que je vous laisserai pas sortir de cette salle sans avoir l'option « c'était vraiment pas bien » ou alors « c'était vraiment très bien ». Et là-dedans, du coup, mon objectif, c'est de vous faire rire et de vous effrayer. Et c'est pour ça que j'appelle ça un spectacle mélodramatique, c'est-à-dire qu'on va osciller dans le temps pour revenir au présent. Ben là, je suis à 1 minute 40. C'est parfait. Mathias, tu es également avec Déborah Cherrière actuellement en résidence de territoire à l'espace 110, avec une restitution qui approche, là peut-être en 10 secondes. 15, allez, c'est parti. Oui, alors ça fait 3 ans qu'on est en résidence en train de sillonner Ilzac, vos rues, l'histoire, les archives. Et là, avec un groupe d'amateurs, je ne sais pas s'ils sont là, d'Ilzacois qui ont écrit. Attends, j'ai déjà dépassé. Mais en tout cas, c'est le 30 juin, à 20h, on fait une restitution là-bas dans le pré, avec feu d'artifice et bière, et on va tout donner. Mais du coup, on va faire un spectacle, en fait, qui parle de chez vous. D'Ilzac. Et ça s'appelle « Et si demain ?» Merci Mathias. Bonsoir. Et Mathias viendra à la rencontre des lecteurs de la bibliothèque pour présenter le processus de création d'Hôtel Proust. Il en profite pour changer de chef. Ouais. Vous l'avez vu. Donc sans transition, la 37e édition du Festival international de la bande dessinée, BDessinée. Alors, une centaine d'auteurs, une dizaine d'expositions, une dizaine de spectacles, avec Jean-Baptiste Andréae, qui en est le président. Il embarquera les festivaliers dans son univers, onirique et fantasmé, entre rêve et réalité. Voici quelques images du festival à l'ouverture des portes au petit matin. Voici Denis Guérard, qui est notre chargé de mission BDessinée et qui va nous dire quelques mots sur ce festival. Alors bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter un peu le président quand même, Jean-Baptiste Andréae, donc, qui a fait des études de Beaux-Arts à Bordeaux et qui, en 1991, a commencé avec sa première BD qui s'appelait Manche-Cœur. Et cette BD a été primée 2 fois à Angoulême en 1993 et 1995, ce qui est assez exceptionnel. Et sa nouvelle série actuelle s'appelle Azimut. Et donc, je ne vais pas trop insister sur les noms des auteurs, mais j'aimerais bien vous présenter quand même le nombre de pays qui sont présents sur le festival cette année. On a 14 pays différents qui seront présents sur le festival, donc des auteurs qui viennent de partout. Je voulais le dire quand même, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, la Norvège, le Danemark, la Serbie, la Pologne, la Hollande, la Belgique, l'Angleterre, le Portugal et la France, naturellement. Donc, vous voyez qu'Ilzac, grâce à BDessinée, va encore être plus connu dans toute l'Europe, grâce à nous. Vous parlez aussi de quelques expos. Le Monde Fantastique d'Andréae. Picsou, que tout le monde connaît, qui fête ses 75 ans. Il les fêtera donc ici. Jean-Louis Touard, c'est un dessinateur du Grand Est. Une vie indienne d'une dessinatrice hollandaise.
Comics USA d'un dessinateur portugais et les 70 ans de Lefranc, donc un des grands personnages de Tintin, qui est dans la même veine que Tintin. Voilà. Donc maintenant, je voudrais quand même encore terminer, parce que le grand thème cette année, c'est plaisir, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Donc j'ai fait un petit texte, pour ça, il faut que je lise. Donc les plaisirs. Plaisir de revoir tous les auteurs sur notre manifestation. Plaisir de recevoir de nouveaux auteurs. Plaisir de voir tous les bénévoles qui s'activent pendant la bonne tenue du festival. Plaisir de créer des expos qui seront prêtés dans d'autres manifestations. Plaisir de voir le public heureux. Plaisir de voir les yeux émerveillés des enfants. Plaisir pour la présence de tous ces professionnels, libraires, éditeurs, vendeurs d'occasions, restauration, et ainsi de suite. Plaisir de voir le travail accompli par les employés municipaux. Plaisir de voir les yeux radieux de tous les membres du conseil municipal. Plaisir de travailler avec les permanents de l'espace 110. Plaisir de travailler en binôme avec Monsieur Thomas. Plaisir pour moi de participer à cette manifestation. Et enfin, j'espère que vous avez pris du plaisir à m'écouter. Et comme chaque année, la programmation de BD Ciné vous sera présentée fin septembre. Et nous pouvons noter les représentations sur le festival et en temps scolaire d'Un océan d'amour, une adaptation à la scène de la bande dessinée éponyme. D'images, un monde sans mots, une nature sublime, étrange et fascinante, un paysage construit, déconstruit, sans cesse, une foule d'animaux et de personnages qui se croisent, se recroisent au fil des mois. Voici tous les ingrédients des puits par la Soupe Compagnie. D'accueillir sur nos murs une exposition autour de l'album Et puis d'Issy Nori. Et puis, c'est décembre. C'est ensemble que nous attendons Noël avec deux spectacles pour vivre cette fin d'année. Pour les fêtes, l'espace 110 se teint de douceur, de plaisir et d'audace. Nous vous proposerons tout simplement de voir la vie en rose. Avec sa voix tantôt chaleureuse et enveloppante, tantôt puissante et énergique, Célia fait chanter son âme. Un univers où se mêlent subtilement soul, jazz vocal et musique urbaine. Mesdames et messieurs, Célia. Thank you.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home, a long way from home. Sometimes I feel like I'm almost done. Sometimes I feel like I'm almost done. Sometimes I feel like I'm almost done. A long way from home, a long way from Et Célia vous proposera une passerelle rythme, voix et mouvement et invitera les participants à cet atelier à la rejoindre sur scène lors de son concert. Autre rendez-vous incontournable dans la saison, la présence de l'Espace 110 au marché de Noël d'Ilzac. Après un changement de programmation de dernière minute la saison dernière, Covid oblige, nous réinvitons la compagnie des Nazes qui proposera sa dernière création, Crazy Caravan. Une aventure délirante, semée de rebondissements et de rencontres totalement improbables. Une aventure haletante au rythme effréné dans une caravane des années 70. La bibliothèque vous proposera également des contes sous yourte tout le week-end. Ah ouais! Et puis aussi, regarde, elle a l'air trop bien celle-là! Ah ouais, vas-y, on le fait! Poisson Fritz! Ah! Mais qu'est-ce qu'on va faire? T'es où, Poisson Fritz? Ouais! T'es où, Poisson Fritz? Ouais! On va te couper en X! Ah! Vous n'avez réussi rien du tout. C'est une de ces histoires de théâtre qui racontée interpelle celui qui l'écoute. C'est l'histoire d'une famille d'acteurs, une enfant, une mère, un père, la maladie, le confinement, l'amour parental, mais surtout le courage. Une ode jouissive et joyeuse à l'existence, à l'amour, avec les spectateurs présents sur la scène. Et Anne-Laure Hagenmüller est avec nous, et ce soir, et je l'en remercie, et elle va venir nous dire quelques mots sur Battre le ciel. Enfin, vous êtes là.
a des choses à vous raconter. Vittorio arrive, il est parti à la colline chercher de quoi manger et boire Lucia. Alors, il y a peu d'images parce que c'est un spectacle en création, donc qu'on fera naître ici dans cette belle maison. Effectivement, c'est un projet un peu particulier parce que c'est un texte qu'on pourrait dire prémonitoire d'un auteur avec lequel on a déjà travaillé, un auteur jeunesse qui s'appelle Gilles Baume. Il a écrit ce texte en 2019 et il est donc question d'un couple de comédiens et de leur fille qui s'installe dans un théâtre pour y jouer. Et la petite tombe malade. Ils sont donc coincés dans ce théâtre 40 jours parce qu'une épidémie s'abat sur le pays. Et ces comédiens-là vont décider de battre le sort, de conjurer ce qui s'abat en puisant dans ce qui est finalement leur bravoure à eux et leur seul trésor, à savoir les histoires. Les histoires qu'on porte, les histoires qu'on raconte, c'est quelque chose qu'on a envie de défendre avec la compagnie, nos besoins, notre recours aux histoires. Et ils vont jouer pour elle comme des possédés pour la maintenir en vie. Donc ça ne sera pas un spectacle triste et plombant. Ce sera un spectacle très joyeux. On parlait d'ode jouissive à la vie, au battement de cœur. Et vous serez invités sur scène à vivre ce spectacle tout autour de nous, en quadrifrontal. Et on sera accompagné pour déployer ce spectacle par Lionel Lingelser, que vous avez vu un peu plus tôt du Monstrum Théâtre, qui va être avec nous pour ce projet. On sera deux comédiens au plateau. Voilà. Ben merci, Anne-Laure. Et la compagnie L'Indocile sera également présente à la bibliothèque avec son abri histoire. Alors, fruit de la collaboration et de la complicité de l'espace 110 Centre culturel d'Ilzac, de la Filature, scène nationale de Mulhouse, et du CCN Ballet de l'Opéra national du Rhin, la quinzaine de la danse verra sa cinquième édition s'étendre du 12 au 31 janvier 2023 à Mulhouse et à Ilzac. Ce temps fort consacré à la création chorégraphique, offre au public de l'agglomération mulhousienne un riche et vaste panorama. Du grand répertoire à la création contemporaine, des grands noms aux nouveaux visages, des compagnies implantées sur le territoire, aux artistes internationaux, réunis dans un unique but, célébrer et partager la danse. Cette saison, la quinzaine est buissonnière, via danse, et je salue Lucien Amara Merino qui est avec nous ce soir, donc le Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort, et la passerelle de Rixheim avec Clémentine Chéronet, qui doit être quelque part. Merci à vous pour votre présence. Eh bien, ils rentrent dans la danse et nous rejoignent sur cette belle aventure. Et nous projetterons Mignonne de Maïmouna Doucouré lors de cette quinzaine. Il y aura également des rencontres et des ateliers et la bibliothèque proposera une exposition de Bookface ayant pour thème « Alors, on danse ?» Alors, premier spectacle de cette quinzaine, c'est la nouvelle création de Sarah Balsinger. Vous avez pu découvrir son Barbe Bleue, particulièrement remarqué lors de notre dernière édition de la quinzaine. Là, c'est « Rouge est une couleur froide ». Alors, c'est une performance dansée, musicale, plastique, où on va interroger la question de la norme, du processus de transition identitaire et l'ambivalence qui existe en chacun de nous. Je vous propose de découvrir quelques images du spectacle. Bah moi, j'aime beaucoup porter du rouge. Je porte du rouge sur mes lèvres. Le rouge est présent, je pense, totalement dans le jeu, c'est très bien. Sarah Balsinger proposera une passerelle permettant d'expérimenter par la danse la bestialité et la déformation des corps. Catherine Diverès
a marqué le paysage français de la danse contemporaine au cours de ces 30 dernières années. Début 2023, elle tirera sa révérence, laissant derrière elle plus d'une trentaine de pièces. Pour clôturer son parcours, nous souhaitions, avec les partenaires de la compagnie, célébrer une explosion artistique de joie, de talent, de danse et de tous les arts qui traversent ces disciplines. Vous pourrez découvrir le parcours d'une chorégraphe majeure à Mulhouse, à Belfort, à Ilzac, et l'Espace 110 accueillera en complicité avec le Ballet de l'Opéra National du Rhin deux petites formes emblématiques de Catherine d'Iverès, d'Entro et Stance 2. Je vous laisse découvrir ces images, dont des images d'archives que vous allez pouvoir découvrir. Exposition de photographie de Théo Hernandez sur le parcours de Catherine d'Iverès viendra faire écho à ce temps fort. Deuxième projet soutenu par l'ESDANCE, réseau danse Grand Est, que nous co-accueillons avec la Filature Scène Nationale de Mulhouse et le Ballet de l'Opéra National du Rhin, c'est Hall à la Lisière, nouvelle création de Marie Cambois. À la Lisière de l'écriture et de l'improvisation, à la Lisière de l'élaboration née de la simplicité, à la lisière du minimalisme conceptuel et de l'expressivité assumée, je vous laisse découvrir quelques images et Marie nous fera un plaisir de nous en dire davantage. Par exemple, il y aura beaucoup de corps, donc des moments de danse comme ça où d'un coup on peut s'arrêter sur ce moment-là et le décortiquer. J'aurai un super costume fait sur mesure avec des poils hyper chers. C'est comme s'il y avait des... J'ai pris l'habitude de beaucoup te parler après ton départ. Il y aura des phrases très très simples, des choses un petit peu quotidiennes comme... Je te parlais tout le temps. Tu peux passer l'aspirateur s'il te plaît. Maintenant je sais pas quoi dire. On essaiera de faire de dessiner une courbe devant nous et en fait on n'y arrivera pas. Même si j'avais été seule. 13, 11, je marche 13, 14, 15... Bonsoir. Donc, je suis chorégraphe et comédienne, et c'est peut-être pour ça que j'aime les formes pluridisciplinaires, dans lesquelles finalement le mouvement, la parole, la musique, le son et l'espace lumineux et scénographique dialoguent ensemble pour créer finalement des situations qui sont plus pour moi de l'ordre de l'expérience sensible que du sensé. Mais comme j'aime quand même qu'il y ait de la parole, il faut bien des prétextes. Alors, et cette pièce est en création aussi en répétition, donc il y a plein de choses que je ne sais pas encore, mais je vais vous dire ce que je sais, et pas tout ce que je sais, parce que je n'ai pas le temps. Mais pour l'équipe au plateau, il s'agit de trois femmes, donc vous avez vu là, Elsa Pion, qui est comédienne et qui est très jeune, puisque ce sera son premier projet professionnel. Une danseuse, Maud Pison, qui a une quarantaine d'années, qui travaille beaucoup, qui tourne beaucoup, qui travaille avec plein de chorégraphes différents. Et Morgane de Quellin, qui a dansé pendant 20 ans au Ballet du Rhin, Ballet de Nancy, pardon, qui travaille plus là-bas depuis 8 ans, et qui est plutôt, on va dire ça comme ça, même si c'est un peu triste, un peu à la fin, enfin, quelque chose se termine peut-être. Et il y aura aussi au plateau un scénographe qui va modifier l'espace en direct, et un musicien qui va jouer aussi. Et juste pour finir, le prétexte, j'avais très envie d'apprendre à écrire un scénario de film depuis très longtemps,
Et là, ça sera l'occasion de le faire. On va co-écrire un scénario avec Sonia Larue, qui est réalisatrice de documentaires. On va écrire un scénario comme si on faisait un documentaire un peu fiction quand même, autour de ces trois femmes, d'un film qu'on ne tournera jamais. Et cette partie, ce scénario va devenir finalement la partition qu'on va mettre en œuvre au plateau et à travers laquelle je pourrai venir glisser des petites abstractions et des choses un peu étranges qui vont décaler un peu la situation. Voilà. Merci Marie. « 27 millions de fois par seconde ». Alors, il s'agit de la fréquence vibratoire d'une cellule humaine, pour ceux qui ne le savaient pas. Trois danseuses, un musicien et un public pour une rencontre sensible dans un espace circulaire. Nous avons ce soir avec nous Lena Angster, une des interprètes chorégraphes du projet, qui va nous parler de cette création en cours également, après ces quelques images. Bonsoir. En fait, on est trois chorégraphes dans cette compagnie. Donc, je suis la seule à être là ce soir, mais il y a aussi Jessie Lou, Lamy Chapuis et Marine Caro qui sont chorégraphes. Donc ça, c'est notre deuxième projet de la compagnie qui a été créé du coup en 2017 à Strasbourg. Donc cette création-là, on a eu envie de travailler plutôt sur la notion d'empathie dans le spectacle et comment on peut se rapprocher du public. Donc on a tout un dispositif en cercle en fait. Tout le public va être autour de nous, du coup ça va être l'occasion aussi de voir les corps, la transpiration, la chair de plus près aussi. C'est ça qui est quand même important vu que c'est une question d'empathie qu'on a envie de traverser avec vous. Et voilà, c'est toute cette notion de relation aussi au plateau, mise à nu, mise plus proche des gens. Et du coup, là, c'est aussi une création avec un musicien électronique qui sera au plateau avec nous. Et voilà, on est content. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, petit changement de plateau, j'en profite pour remercier nos invités et en accueillir de nouveau. Merci et bravo à vous. Eh ben, ils sont allés beaucoup moins vite que prévu, on peut remettre un peu de musique. On a perdu nos invités. Allez, venez. N'ayez pas peur. On peut les applaudir. Alors, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir un de mes deux partenaires de quinzaine, Benoît André, directeur de la filature scène nationale de Mulhouse. J'excuse par ailleurs Bruno Boucher, directeur du ballet opérationnel du Rhin. Benoît,
viens à nos côtés. Je garderai les mêmes mots que j'ai pu avoir avec Mathieu tout à l'heure, de la complicité et de l'excellent travail de partenariat et d'échange qu'on a entre ces structures sur le territoire. C'est un vrai plaisir et merci à toi aussi de faciliter tout ça. Et je te laisse dire quelques mots sur les événements de la quinzaine qui auront lieu à Mulhouse. Bonsoir à tous. Je commencerai par dire que ce plaisir, il est partagé. Sincèrement, c'est un vrai plaisir de travailler avec des partenaires engagés, à l'écoute, avec qui les choses sont faciles. Ce n'est pas toujours le cas, et vraiment, là, c'est vraiment le cas. Alors, j'imagine que tu as déjà parlé de Catherine Diverès, donc écho, c'est fait. Donc, de notre côté, à la filature, donc, je vais essentiellement vous parler des programmes Grand Plateau, puisque c'est un peu là que se joue aussi la complémentarité. On a la chance d'avoir une très grande scène à la filature. On va accueillir un artiste auquel je suis assez attaché, qui s'appelle Damien Jallet. C'est même un artiste auquel on va consacrer un portrait sur l'ensemble de la saison 22-23. Donc, il y aura un premier rendez-vous en novembre avec le Ballet de Göteborg. Et on le retrouve en ouverture de la quinzaine de la... Enfin, quasi ouverture de la quinzaine de la danse, avec Wessel. Damien Jallet, c'est un artiste que vous connaissez peut-être par, sans le savoir, parce que ça a été le compagnon à la ville comme à la scène de Sidi Larbi Cherkaoui. Sidi Larbi Cherkaoui, c'est un chorégraphe qui a beaucoup, beaucoup tourné, qui est basé en Belgique, et qui est... Toutes ces créations ont été secondées, épaulées par Damien Jallet. Damien Jallet, il a pris son indépendance depuis quelques années, il crée ses propres spectacles et il travaille avec une approche de la danse extrêmement ouverte, à tel point qu'une certaine Madonna, je ne sais pas si ça vous parle, peut-être plus que Larbi d'ailleurs, plus que Cherkaoui, l'a repéré dans un film auquel il a participé, il lui a demandé de chorégraphier une partie de sa dernière tournée. Donc il travaille aussi bien avec des chorégraphes contemporains, avec un plasticien japonais, on va en parler à l'instant, et avec Madonna ou Paul Thomas Anderson, Thom Yorke, pour ceux qui connaissent la musique rock, Thom Yorke est une star. Voilà, donc il présentera Wessel. Chacun des spectacles de Damien est une espèce de gymnastique intellectuelle, parce qu'il peut travailler sur une immense pente à 34 degrés où les danseurs doivent lutter contre la pente, contre la chute. Là, il va proposer un autre défi. Tous les danseurs, c'est donc 7 danseurs japonais, on ne verra jamais leur visage. Donc c'est une œuvre très plastique, absolument passionnante, mais vous ne verrez leur visage qu'au moment des saluts. Je ne vous en dis pas plus, il faut venir voir. C'est vraiment un joli moment. On aura également la chance d'accueillir Rachido Ramdan, qui est le nouveau directeur du Théâtre National de la Danse à Paris, avec un spectacle qui s'appelle Corps Extrême, et qui là aussi est une sorte de défi, à la pesanteur notamment, puisqu'il invite sur scène des acrobates qui viennent de la compagnie XY, mais aussi une championne du monde d'escalade, et puis un garçon qui fait ce qu'on appelle la slackline. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ces traversées d'espace au-dessus du vide, au-dessus non pas d'un fil, mais d'une sangle. Il a fait notamment une traversée dans la baie de Rio récemment, au-dessus d'une plage. Il a fait une traversée entre la tour Eiffel et le palais de Chaillot récemment. Voilà, c'est un personnage assez extraordinaire et il veut, dans ce spectacle, travailler sur la question du défi du corps pour lutter contre la pesanteur et la prise de risque aussi. Donc un spectacle assez passionnant qui mélange la vidéo et la danse en live, mais aussi presque le sport sur scène. Nous aurons également une création d'une artiste qui est installée dans la région, Marie Barbotin, qui crée la Chambre d'eau. Là, c'est un jeune public à partir de 6 ans qui mêle sur scène un texte de Catherine Verlaguet. Catherine Verlaguet, c'est une autrice jeune public qui est associée à la filature, on la voit régulièrement. Et elle a écrit un texte pour ce spectacle qui est interprété sur scène par une comédienne, un danseur en langue des signes, donc le texte sera dit également en langue des signes, donc très accessible, et tout se passe autour d'une baignoire dont une jeune fille va devenir la héroïne, ça va devenir un monde extraordinaire, la chambre d'eau. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Merci Benoît, merci beaucoup. Et comme chaque année, un programme dédié à la quinzaine de la danse, un programme commun, sortira au mois de décembre. Bouger les lignes, alors, est une création inspirée par la cartographie qui est adressée aux jeunes terriens à partir de 9 ans. Donc, le spectacle est interprété par les comédiens de la compagnie L'Oiseau-Mouche, comédiens professionnels permanents en situation de handicap mental ou psychique. Le texte est une commande d'écriture qui a été faite à Nicolas Doutet et il est mis en scène par Bérangère Ventusseau et mis en image, cartes, plans et peintures par Paul Cox. Alors, on suit 4 acteurs qui, eux-mêmes, se questionnent sur la question de la cartographie, de bouger les lignes, proposent finalement déguiser un regard sur la question des cartes en tout genre. Je vous laisse découvrir quelques-uns. Je vous interromps peut-être,
Vous étiez en train de faire quelque chose? Non, on vient d'arriver. Je me demande un peu où on est. Ah, moi aussi je me le demande. C'est quelque chose que je me demande souvent. Ça me plaît de savoir où je suis, ça m'intéresse. Moi aussi ça me plaît beaucoup. Et donc, nous, on est là. On est là. L'espace n'est pas une question d'un droit, c'est une question de rapport. Ah, c'est totalité de l'espace. Complètement. D'accord, elle a une perspective en fait, c'est comme si elle disait quelque chose, comme si elle parlait. Et telle terre attend, elle. L'espace est une question de séparation, de limite, de délimitation. C'est comme ça qu'il s'organise, à partir d'où et jusqu'où. Quoi est à qui? Administré par qui? Sous l'autorité de qui? Les poussières peuvent évacuer l'air de l'air. Les poussières peuvent évacuer l'air de l'air. Et ce spectacle est accueilli en complicité avec le festival Momix. Et c'est encore un bel exemple de la diversité des propositions en lien avec le spectacle que nous proposons à l'Espace 110, puisqu'autour de Bouger les lignes, il y aura un brunch littéraire sur le thème des frontières, une exposition inédite de croquis de Paul Cox et le documentaire Changer de rôle, qui raconte la création et esquisse un portrait de la compagnie. Alors, l'odeur du gel, on se situe en 2013. Donc c'est un extrait d'un documentaire sur le peuple Tchouchk, habitant extrême orientaux de la Sibérie, qui va retenir l'attention d'Emily Evans, jeune marionnettiste. Des lectures, des photographies, des expositions, des films d'explorateurs et de grands voyageurs vont alimenter son appétit pour cette partie du globe. Elle décide alors de partir pour la Sibérie. Nous sommes en février 2018, sous un mètre de neige. Les conditions sont optimales pour écrire ce spectacle. Et ce voyage qu'elle a ardemment désiré commence alors à se dessiner comme un rêve sur scène dont vous découvrez les images. La bibliothèque proposera une conférence sur la thérapie par le froid et accueillera une exposition en partenariat avec les Sentiers de la Photo sur la nature et les animaux dans le grand froid. Alors après Check et Mat et Dans ta valise, l'Espace 110 accueille enfin Miran, troisième et dernier volet de ce triptyque. Alors l'objectif de Miran est assez simple finalement, c'est d'impliquer le spectateur au sein de l'objet artistique, afin qu'il ne soit plus simplement spectateur, mais acteur. Quelques images. Alors voilà, ça commence dans une salle de classe, vide, les élèves sont sortis, il y a une enseignante, professeur de français, Laura, mon nom, avec un dictionnaire dans les mains, et madame la principale, Anne. Quelque chose ne va pas. Pardon. Il manque un élève. Qui? Tu sais où est Miran? Chez lui. Et s'il n'est pas chez lui? Il n'est pas chez lui. Imaginons qu'il ne soit pas chez lui. On est chez soi ou on n'est pas chez soi. Tout va bien. Tout ne va pas bien du tout. Je panique pour Miran. En tant que déléguée de classe de la 3ème 5, camarade de Miran aujourd'hui absent, ancienne camarade de Merita il y a un an ici, aujourd'hui déménagée là-bas, j'exige que l'on vote ce que l'on doit faire. J'exige que chacun puisse avoir le choix de choisir son choix à lui. On est en démocratie, madame? Non? Et c'est à vous de décider. Maintenant, de décider ce qu'il va se passer dans cette cour de récréation. Trois choix se présentent à vous. Une seule possibilité. La majorité l'emportera. Votez 3. Votez 2. Votez 1.
Qu'est-ce qu'on fait? Alors Marie, on s'est quitté il n'y a pas si longtemps. T'étais il y a quelques semaines sur le plateau ici avec dans ta valise. Mais maintenant, parle-nous de Miran. Alors je crois qu'on a déjà fait une présentation de saison où tu nous as parlé de Miran. C'était Jean-Michel, voilà. Et Miran n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu... Il y a eu le Covid. Ensuite, on l'a représenté la saison suivante et il n'a pas eu lieu. Voilà. Donc là, on est très, très heureux que ça puisse enfin avoir lieu. On est très contents d'être là. Voilà, alors je crois que c'est assez clair. Miran, c'est un spectacle un peu particulier. Donc, c'est un spectacle qui fait partie d'un triptyque sur les questions de l'exil et de l'accueil. Et donc, ce ne sont pas des spectacles sur les exilés, ce sont des spectacles sur ce que nous fait à nous l'arrivée des exilés, et sur comment ça bouge nos valeurs, comment on s'engage, comment on ne s'engage pas, voilà, sur l'accueil ou sur le non-accueil. Et pour ce spectacle-là, on avait envie d'un spectacle qui vous engage, un spectacle où on fait appel à votre ressenti et aussi à votre réflexion. Et donc on a imaginé avec l'autrice Marilyn Mattei un dispositif où vous allez, comme sur le modèle des livres dont vous êtes le héros, voter à deux reprises dans le spectacle, pour décider à la place des personnages du choix qu'ils vont faire. À deux moments dans le spectacle, les personnages vont se retrouver à croiser des chemins. Ce ne sont pas des choix faciles, ce ne sont pas des choix binaires, et il n'y a pas de bonne solution. En tout cas, il n'y a pas de solution évidente. Et ce sera à vous, à l'aide de boîtiers de vote, c'est un vote anonyme, c'est un exercice démocratique, de choisir la solution que vous voulez voir apparaître et donc le spectacle qui va être joué ensuite. Nous, on a 6 spectacles en réserve. Donc, on ne sait pas lequel nous allons jouer ici. Voilà. Merci Marie. Merci à toi. On note également qu'on pourra redécouvrir Dans ta valise sur le festival BD Ciné. Voilà. Merci. Et la bibliothèque animera justement un atelier d'écriture autour du spectacle sur l'histoire dont vous êtes le héros. Que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage de Jacques Chirac ? Derrière sa bonhomie apparente et ses mimiques, de quelle manière a-t-il influencé la politique et la façon dont nous la percevons aujourd'hui ? Léo Cohen-Paperman, le metteur en scène, et son acolyte Julien Campagny tentent de répondre à ces questions et ne sont pas toujours tendres, mais de ce portrait se dégage aussi une certaine nostalgie et surtout, on rit beaucoup. Nous sommes à armes égales, comme le dit bien l'émission, et je crois que cela va être passionnant. Vous raisonnez comme je vais. Il y a 40 ans. Quitte à parler comme un technocrate, soyez précis. Je pensais que les Corréziens étaient mon unique source d'inspiration populaire, mais je me trompais, hein. Qui tu espères convaincre avec un discours aussi débile? Ce qui m'intéresse, c'est vous. Oui, au grand écart. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 1988. Pour le bien du gaullisme, il vaut mieux voter pour François Mitterrand. Achève ton masque! 2003! Car on ira pour mon nom! 2007! Référendum non émeute, oui! 2007! Sarkozy, c'est la fin! Et nous projetterons en écho à ce spectacle le film L'exercice de l'État de Pierre Scholler. Et côté exposition, nous continuerons également cette saison notre beau partenariat avec la Fondation François Schneider au travers d'une exposition intitulée Plaisir, jeu d'eau. L'espace 110, centre culturel d'Ilzac, a le plaisir d'accueillir chaque année une proposition des Vagamondes de la filature Scène nationale de Mulhouse. Pour cette année, c'est à Troyes que nous accueillons cette proposition, avec la filature et la passerelle de Rixheim. Pour là, un spectacle jouissif dans tous les sens du terme, parfait pour cette saison de plaisir. On regarde quelques images et Benoît, tu viens nous parler de Eun ? Voilà.
Voilà, une. Alors, essayer d'en parler en une minute, ça va être une gageure. Je vais le tenter quand même. Johan Hibert, c'est un jeune metteur en scène qui est un marionnettiste à l'origine, qui réinvente la marionnette. Donc là, c'est une marionnette manipulée par deux comédiens que vous ne verrez pas. Ils sont en noir, mais ils sont bien là pour la manipuler. C'est un spectacle qui s'inscrit dans une thématique des Vagabondes 2023 que j'ai voulu autour de la question du genre. Pas seulement la question du masculin et du féminin, mais de réfléchir à toutes les manières d'être au monde et de voir comment on peut imaginer d'autres manières que simplement être un homme, une femme, réfléchir à plein d'autres approches. Et vous l'aurez compris, N est un petit peu dans la thématique, puisque N s'est inspiré d'un pronom suédois qui est entré dans la langue suédoise pour ne dire ni il ni elle. C'est l'équivalent du yel français qui commence à faire son petit bout de chemin dans la société. Donc un personnage, est-ce que c'est un homme mudibuldé ou une femme pulpeuse? Est-ce que c'est une diva chauve et virile, à gros seins et à bouche dévorante? Je crois que N est un peu tout ça. Et vous l'aurez compris, Johan Hibert, il fait exploser tous les cadres du cabaret. Donc plutôt cabaret pour adultes, hein, clairement. N laisse exprimer tous ses désirs, toutes ses envies, dans tous les sens, dans tous les genres, dans toutes les directions. Donc un moment assez jouissif, comme tu l'as dit Thomas, assez drôle, joyeux. Un joli moment à partager donc, dans le cadre du festival sur la question du genre. Merci Benoît. Mes chers concitoyens, j'ai des révélations à vous faire. C'est pour cela que je suis ici ce soir. J'ai à vous révéler une découverte d'une toute autre portée que l'empoisonnement de nos conduites d'eau. Ce que j'ai découvert, c'est que toutes les sources morales de notre existence sont empoisonnées, que toute notre vie sociale repose sur le sol pestilentiel du mensonge. Cette réplique, empruntée à la pièce d'Ibsen, Un ennemi du peuple, nous laisse bien percevoir le propos de la nouvelle création de Thibaut Wenger, de la compagnie Premiers Actes, qui nous fait le plaisir de sa présence. J'ai essayé de faire une audition pour rentrer dans le spectacle, mais c'est raté. Donc, viens nous rejoindre et viens en parler. Bonsoir. Alors, c'est un spectacle en création également. On a débuté le travail sur ce plateau, d'ailleurs. Et on le poursuit le mois prochain à Fribourg. Donc dans Un ennemi du peuple, Thomas Stockmann, que joue Nicolas Luçon, qui est un garçon du coin aussi, qui a grandi aux têtes du peuple, enfin presque. Thomas Stockmann est le médecin-chef d'une station thermale d'une petite ville de province scandinave, et dont son frère Peter est le bourgmestre. Et il découvre après un hiver de recherche secrète que l'eau des bains est polluée par les rejets d'industries locales. Sa découverte est encouragée, promue par le Messager du Peuple, qui est un journal d'opposition locale, libéral, enfin, c'est-à-dire progressiste de gauche, et par l'association des petits propriétaires, enfin des petits bourgeois, qui font bloc et qui voient dans cette découverte la possibilité de renverser le pouvoir municipal en place. Mais prenant la mesure du coût des travaux et de la difficulté de leur plan, ils vont retourner leur veste en bloc également aux côtés du pouvoir et laisser Thomas seul avec sa découverte qu'il défendra contre tous et jusqu'à l'absurde. Parce que pour Ibsen, le désir de vérité est toujours un petit peu suspect. Il court-circuite la trajectoire de son héros de débordement pulsionnel, narcissique, qui tire aussi cette pièce étrange qui peut apparaître comme une sorte de polar politique vers la farce. Voilà. Merci. Merci à toi. En écho à Un ennemi du peuple, nous vous proposerons un brunch littéraire sur la littérature scandinave. Alors nous voulions cette saison inviter deux artistes strasbourgeois dont les univers et le propos donnent du sens à être présentés en commun. C'est Cyril Balny et Antoine Segarra. Alors, on ne tourne jamais une page sans garder en mémoire la précédente. On ne commence jamais une journée sans l'écho de la journée de la veille. On ne se retrouve jamais non plus devant une page tout à fait blanche. Et comme un spectateur, finalement, ne rentre jamais au spectacle tout à fait vierge de toute histoire. Alors,
On va retrouver un homme, pinceau à la main, trempé de peinture blanche. Il ne veut pas encombrer la toile, mais y faire de la place pour accueillir cette tant attendue première image. Blanc sur blanc, il ne va pas risquer grand-chose. Alors, peindre du blanc, c'est peindre quand même. Cyril Balny, j'ai découvert le spectacle il y a une semaine, qui vient d'être créé, nous emmène absolument nulle part, mais pourtant, il nous y emmène. Je suis le petit point aveugle, caché au milieu de la nuit, et je vais voir l'éclair frapper à la fenêtre. La fenêtre ! Elle est où la fenêtre ? Alors, Cantique Cantique, deuxième spectacle, est une performance spirit pour un acteur. Un homme accueille le public, assis à une table. Il nous parle de manière simple, directe, de notre relation à la mort, à nos morts. Assez vite, je crois qu'un doute apparaît quant à la présence de cet homme. Qui est-il ? De quel lieu s'adresse-t-il à nous ? Et à quel point est-il pris dans ce qu'il évoque ? Est-ce lui-même un disparu ? Alors cet homme est interprété par Antoine Segarra, ici présent, qui va nous dire quelques mots après ces quelques... Rencontrer un autre monde, ce n'est pas uniquement un fait imaginaire. Ça peut arriver aux hommes, et aux animaux aussi. Parfois, les frontières se dissipent. Il suffit simplement d'être là au bon moment. Où vont les morts quand ils sont morts? He had a pretty wife. Fantômes, spectres, esprits, revenants. But one day she flew. Antoine? Remarquez que Antoine a mis son pull rose. Ouais, je suis raccord avec la soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est un projet qui est né de ma rencontre avec la pensée d'une philosophe que certaines et certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Vinciane Després, qui a écrit un très beau texte qui s'intitule « Au bonheur des morts ». C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la question de nos rapports aux non-humains, et souvent notre rapport aux animaux. Et dans son parcours, tout d'un coup, elle a eu cette rencontre avec la manière dont on considère, ou plutôt on ne considère plus les morts aujourd'hui. Et donc elle nous propose, elle nous invite à déplacer légèrement notre regard et elle nous dit, et si nous considérions la mort non comme une absence, mais comme une dissémination de présence? Et alors, où se situeraient tous les signes et comment ils pourraient continuer à activer nos vies, à les bouleverser? Et elle dit une très belle chose, elle dit, ce que font les morts, c'est qu'ils font des vivants des fabricateurs de récits. Et c'est à partir de là que je suis parti, donc c'est une sorte de petit voyage, et je tombe de récit en récit comme ça, et qui mêle à la fois des anecdotes issues de ma propre histoire, des fragments de la pensée de Vinciane Després, des éléments historiques qui sont liés à des recherches parfois même scientifiques sur des tentatives de rencontre avec l'invisible. Et voilà, comme ça c'est une sorte de petit voyage vers l'obscur qui est, je l'espère en tout cas, extrêmement sensible et qui nous prête et qui nous invite justement à essayer de percevoir peut-être d'autres réalités, d'autres états de présence et à nous rendre aussi plus joyeux, plus voilà, plein de vitalité pour faire avec ce qui manque aussi. Merci Antoine. Le témoin et Cantique Cantique sont proposés en duo avec un tarif préférentiel et Cyril Balny et Antoine Segarra animeront un atelier théâtre et danse ayant pour thème les témoins, l'expérience de l'invisible au quotidien, comment les images, gestes et récits peuplent nos corps et nos pensées. La bibliothèque proposera également une exposition sur El Días de los Muertos, une fête populaire traditionnelle du Mexique qui célèbre le jour des morts, issu de la fusion entre les traditions indiennes et espagnoles. Alors, Jean Boileau vient de mettre récemment à l'honneur l'auteur argentin Armando Llamas à travers sa création No Way, Veronica.
Alors elle m'avait mis en scène une fiction corrosive et désopilante dénonçant la misogynie décrite dans les films américains. Cette création est une parodie d'un film d'horreur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle The Thing, de John Carpenter. Et ce spectacle ne ressemble à aucun autre. Il s'apparente à un cabaret musical complètement déjanté, avec des bruitages réalisés à la façon beatboxing qui vont apporter une note humoristique et décalée au spectacle. Free, 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 free. L'action se déroule dans une base météorologique sur une île subantarctique. Les gars, c'est une gonzesse. Comédie misogyne d'Armando Yamas. Allez les gars, 1, 2, 3. Prochainement sur vos écrans. Et clin d'œil obligatoire, nous projetterons The Thing de John Carpenter. Avec Lotto, les plaisirs ne seront pas en reste. Lotto se présente comme un hommage aux salles des fêtes, à la culture populaire, au hasard et à la détermination de ceux qui se démènent pour combattre la solitude par la joie. C'est un véritable loto que Rémi Barchet a choisi de mettre en scène, mais le déroulement de la soirée va être complètement perturbé à coups de Madison endiablée par un groupe de danseurs de salon convaincus d'avoir la priorité sur la location de la salle des fêtes. Elle déambule, elle est dans sa bulle, elle a 74 ans, elle n'est pas gentille et elle a un avis sur tout. Ça chante, ça danse, on y voit des projections de dessins animés, il ouvre des pop-up, il joue avec des objets robotisés, on le voit découper, on le voit bricoler. Voilà de quoi finir la saison en plaisir. Françoise Klein sont avec nous ce soir et sont sans doute les plus à même à nous parler de ce projet complètement fou. Venez, je vous laisse ma chaise. Allez. Je suis là parce que je suis chauffeur et accessoirement je porte un micro. Hey. Merci. Bonsoir à tous. Ah non, oui. Au départ, les textes, ce sont les titres de dessins que j'ai fait. Je fais des textes un peu longs, et puis finalement, on a viré les dessins, et on a tout recommencé, on a fait une pièce avec, et on a refait des dessins en carton, en papier découpé, en décor, en masque, en choses qui viennent devant, derrière, dont Françoise s'empare avec une certaine grâce, il faut bien le dire. Rémi a écrit des textes au départ pour sa fille, certains d'entre eux, quand elle était adolescente. Rémi a écrit des textes pour sa fille à l'époque où elle était adolescente. Je m'en suis emparée avec grand bonheur. En fait, on a fait les Beaux-Arts aussi ensemble à Nancy. On est amis de longue date et ça faisait longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble. Donc moi, j'avais très très envie de permettre au public d'entrer dans l'univers de Rémi
avec les textes et tout son visuel graphique. Et c'est pour moi un bonheur de permettre une traversée assez agitée, peut-être agile de temps en temps, mais pas toujours, assez bruyante et tonitruante, et un peu un voyage immobile aussi en même temps. Enfin, je sais pas. Moi, je croyais que c'était que rigolo au début, puis on a montré le travail. En fait, il y a beaucoup d'émotions. Et je suis un peu comme l'autre qui dit « me secouez pas, je suis rempli de larmes ». Rien que de le dire, ça me fait... Il ne faut pas qu'il le dise. Je lui dis toujours, mais et à chaque fois, c'est vrai. Hein. Bah, merci. Minute. À tous les deux. Et nous aurons le plaisir d'accueillir sous la verrière une exposition de l'univers de Rémy Malingré. Et ce dernier, avec Françoise Klein, assurera une dernière passerelle tout en carton. La plasticienne Lily Terrana proposera un atelier d'accessoires en carton coloré et totalement décalé à la bibliothèque. Alors, dernier changement de plateau. Merci à nos invités. On peut les applaudir et on accueille de nouveau. De spectacle pour plus de convivialité, vous pourrez profiter de la librairie éphémère, du bar et des planchettes. Et chaque saison, des projets visant à rendre la culture accessible à tous sont construits avec de nombreux partenaires. Ils permettent aux personnes de tous âges de découvrir le spectacle vivant, de développer leur sensibilité et de nourrir leur curiosité. Nous accueillerons également au fil de la saison de nombreux groupes en collaboration avec les associations, les structures du champ social, médico-social et les comités d'entreprise du territoire. Soutenir les artistes, notamment les compagnies du Grand Est, c'est un peu notre cœur de mission. Depuis 2015, plus de 90 compagnies du Grand Est ont été accompagnées par l'Espace 110. Et cette saison, la compagnie Facteur Commun, la compagnie L'Indocile, la compagnie Les Attentifs et la compagnie Yokai seront dans nos murs pour créer. J'aurai également le plaisir de présenter ma dernière création, La tristesse de l'éléphant, à la Comédie de Colmar, Centre dramatique national et au TAPS à Strasbourg. Je vous laisse découvrir quelques images de ce spectacle. Le spectacle débute à 19h et devrait se terminer à 21h. Ok, tout est jouable. Bon, allez, maintenant tu vas t'asseoir et tu vas tout me raconter. Je n'ai pas attendu pour rien. Et je veux tout savoir dans les moindres détails, petit cachotier. Je t'offre aujourd'hui ce papillon de soie que j'ai fabriqué, car il est le symbole de notre union et de notre amour indéfectible. Garde-le toujours avec toi. Coup de projecteur sur la création amateur. En septembre, les adhérents des activités artistiques de la maison exposeront leurs œuvres pendant la quinzaine de l'Amateur des Arts. L'histoire du théâtre amateur à Ilzac repose en grande partie sur la passion d'un homme, Jean-Pierre Verdaillan. Pour sa 41e création, la compagnie Hélios a choisi une pièce d'Edouard Albee, rendue célèbre par le film éponyme de Mike Nichols, Qui a peur de Virginia Woolf. La scène de ménage va du vaudeville au drame, une série de scènes stupéfiantes après lesquelles rien ne sera plus du tout comme avant. Je vous invite à venir découvrir
cette belle création de Jean-Pierre au mois de septembre. Vous trouverez dans la plaquette l'ensemble de nos informations tarifaires et d'abonnement. La billetterie sera opérationnelle dès demain et nous vous avons remis ce soir à l'entrée de la salle un coupon vous permettant en cas d'abonnement de bénéficier d'une place de spectacle offerte supplémentaire. Et toute l'équipe de l'Espace 110 se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes. L'Espace 110, Centre culturel d'Ilzac, c'est aussi plus de 130 activités de loisirs. 3500 personnes qui, chaque semaine, passent les portes de notre belle maison. Un petit aperçu en images et Argine German, notre responsable des activités, va vous donner envie de devenir adhérent si vous ne l'êtes pas encore. La saison qui s'achève a pu se dérouler sur les modèles des saisons d'avant crise sanitaire. Toutes les activités étaient autorisées, en présentiel, sans confinement ou couvre-feu. Pour moi, c'était une première. Néanmoins, l'obligation faite aux structures comme l'Espace 110 de conditionner l'accès des locaux à la présentation d'un pass sanitaire en septembre, puis d'un pass vaccinal en janvier, a conduit certains animateurs à se réorienter, voire à prendre une retraite méritée. Cette contrainte a également éloigné un certain nombre d'adhérents de notre structure, mais à contrario, d'autres ont été rassurés par les protocoles mis en place et les contrôles. Nous avons mis un point d'honneur à respecter les règles mises en place par le législateur, sans juger des choix et convictions de chacun. Après une saison d'espoir mise à mal par la crise sanitaire et une saison en apesanteur relative, voici donc venue l'heure de revivre le plaisir de se retrouver et de partager ensemble des moments d'exception dans différents domaines d'expression. Ce que nous ferons dès ce mois de juin avec 14 spectacles, auditions et restitutions, dont Peter Pan, un projet pluridisciplinaire piloté par Étienne Bonneau, directeur pédagogique de l'école de musique, Claire Bruchelaine, Sébastien Kraft et Nicole Weber, respectivement chef de chœur, professeur de théâtre et de danse. À la rentrée prochaine, ce sont 130 activités qui seront proposées, dont 18 nouveautés, accessibles pour certaines dès l'âge de 3 ans.
Au bassin de la Dolère, nous retrouverons les activités aquatiques pour petits et grands, natation, aquagym, aquabike ou encore gym d'eau. Deux de nos maîtres nageurs ont souhaité se mettre en retrait. Ils seront remplacés sans doute par trois maîtres nageurs, Frédéric Rohrbach, Anthony Davio et un contrat qui reste encore en cours de négociation. Enfants et adultes partageront des émotions communes au travers des activités musicales de l'espace de musique classique et actuelle, via la pratique individuelle ou la pratique collective. Les activités artistiques et manuelles s'enrichissent de 9 nouveautés. Le dessinateur Julien Mautler animera 3 ateliers destinés aux enfants, aux adolescents ou encore aux adultes autour du dessin, de la bande dessinée, du manga et du comics. Virginie Rose-Deutsch proposera des stages de création déco et de création zéro déchet. Annie Gerst invitera chacun à développer son potentiel créatif dans 2 ateliers distincts, l'un destiné aux adultes actifs et l'autre aux seniors. Enfin, Claudine Metatla proposera aux enfants d'expérimenter matière, couleur et technique en découvrant différents mouvements artistiques. Côté papille, les petits chefs investiront la cuisine avec Annick Bösch. Pour les plus grands, après l'initiation à l'œnologie cette saison, Paulin Schelcher proposera d'aller plus loin dans la dégustation. Les enfants pourront découvrir par le jeu la richesse de la langue allemande avec Laetitia Hermel, tandis que les adultes pourront s'initier au monde de l'open source et de Linux avec Olivier Ringenbach, ou jouer avec les mots et Daniel Blanc lors d'un atelier d'écriture créative. Côté scène, les adultes pourront se frotter à la danse caribéenne avec Cynthia Bösch, ou s'initier à la danse néoclassique avec Claire Hinterberger. Enfin, de nombreuses activités sportives vous permettront de vous défouler, et pour vous détendre, plusieurs activités bien-être passent d'une séance trimestrielle à un rythme mensuel ou bimensuel. L'enrichissement de cette offre est rendu possible grâce à la mobilisation de la ville d'Ilzac, qui nous a accompagnés pour réhabiliter une salle qui accueillera désormais notre belle collection de métiers à tisser, un véritable patrimoine à préserver, et l'activité sera désormais encadrée par Patricia Vespisser. De nombreux animateurs sont présents ce soir, et je les invite à se lever afin que nous puissions les applaudir. Merci à tous. Au total, pour satisfaire vos envies, ce sont donc 130 activités qui vous sont proposées chaque semaine, soit plus de 230 cours collectifs, auxquels s'ajoutent les cours individuels d'instruments, pour un total de près de 11 500 heures d'activité à l'année. C'est en moyenne 380 heures par semaine, avec près de 100 heures de cours pour la seule journée du mercredi. Autre nouveauté, la fin de saison 22-23 sera l'occasion de nous réunir à l'occasion d'un grand week-end des activités. 2 jours de fête, les 30 juin et 1er juillet 2023, à l'occasion des portes ouvertes. Spectacles sur plusieurs scènes, expositions, petites restaurations, buvettes. Nous sommes convaincus que les spectacles proposés par des artistes professionnels peuvent enrichir les pratiques artistiques de nos adhérents. C'est pourquoi nous proposons différentes formules de billets en lien avec vos adhésions. Cette action a rencontré un vif succès la saison précédente, tout comme les multiples passerelles organisées entre le domaine culturel et les activités de loisirs. Et un effort particulier a été fait sur la saison qui arrive pour s'adresser à tous nos publics, même les plus jeunes. L'espace 110 confirme sa volonté de proposer des accueils de loisirs, mercredi ou vacances scolaires, avec une dimension culturelle marquée. Au sein d'une offre qui se veut le reflet de la programmation de l'espace 110, rencontres avec des artistes ou des auteurs en résidence, visites d'expositions, spectacles, pratiques artistiques, animateurs spécialistes de leur discipline. La collaboration avec le centre socio-culturel Le Fil d'Ariane, suspendu durant 2 saisons en raison des protocoles sanitaires, est réactivée et les projets remonteront en puissance la saison prochaine. L'énergie qui nous fait vibrer résulte de la motivation et de la passion sans limite de l'ensemble des animateurs, qui sont habités par la volonté de vous proposer des moments empreints de qualité, d'ouverture et de rencontre, le tout dans la simplicité et la convivialité.
La richesse de l'espace 110, c'est vous, c'est le lien social, la rencontre et le partage. L'offre d'activités riche et variée permet à tout un chacun de vivre ensemble des moments libérateurs et de partager les belles émotions proposées au sein de... Il me perturbe. Vous avez vu, il me regarde. Déjà que je suis toute stressée, et en plus, il me fait des grimaces. Bon. Et donc, de partager de belles émotions proposées au sein de la saison culturelle, tous ces petits et grands moments qui font plaisir. N'hésitez pas à venir nous rencontrer dans le foyer pour plus de renseignements. Merci. Donc l'espace 110, Centre culturel d'Ilzac, c'est aussi une bibliothèque et c'est Hélène Vaca, responsable de la bibliothèque, qui va vous le raconter. Mesdames et messieurs, nous voilà presque arrivés à la fin de cette soirée. Alors pour vous tenir en haleine jusqu'au bout, je vous propose un petit jeu. Vous aimez jouer ? Alors voilà, dans le texte de présentation de la bibliothèque, nous avons glissé plusieurs références littéraires. Les trois premières personnes à nous retrouver à la sortie de l'auditorium, Antoinette, Armel ou moi, pour nous donner quatre références, se verront offrir un abonnement d'un an à la bibliothèque. Vous êtes prêts ? Au cœur de ce grand jardin foisonnant d'activités et de spectacles, il est une parcelle où fleurissent la lecture et les aventures humaines. À la bibliothèque, plus de 16 000 essences de livres n'attendent que vous pour un effeuillage délicat qui vous fera rosir de plaisir. Que vous soyez petit liseur ou cannibale lecteur, nous sélectionnons pour vous avec grand soin les spécimens qui répondront à toutes vos envies. Plaisir des mots, du savoir, plaisir des rencontres et de l'échange. Des Pink Floyd au nom de la rose, en faisant un petit détour par les Guns N' Roses, entre réalité et fiction, nous mettons notre petit grain de sel dans votre quotidien pour contrer la morosité. La bibliothèque est une oasis de vie et d'envie. Là, dans le murmure des feuilles qui dansent, nous, bibliothécaires, nous veillons et nous éveillons. Nous semons des graines de fantaisie, d'évasion, d'émotion pour la jeunesse, avec tout un bourgeonnement d'animation pour les petits dès 6 mois jusqu'aux jeunes et aux ados. Nous offrons un bouquet complet, avec ou sans engagement, pour tous les âges, comprenant des conseils personnalisés, des accès à notre portail en ligne, des vitrines thématiques, des expositions, des lectures apéro rosées, des séances de contes, des entrevues avec des écrivains et des semeurs d'espoir. Et pour sortir des sentiers battus, nous nous échappons de nos murs et nous filons autant en emporte le vent. Oui, nous filons comme l'ombre du vent dans les parcs, les cours d'école et dans les quartiers de la ville grâce à notre bibliothèque ambulante, la Bibliambule. Vous me direz, c'est bien beau d'essaimer le virus de la lecture un peu partout, mais là, dans votre jardin, la lecture, ce ne serait pas un peu les fleurs du mal, non ? Oui, c'est vrai, mais pas seulement. La lecture est aussi et surtout notre kérosène. Jules Renard disait, chacune de nos lectures laisse une graine qui germe. Alors cette saison, à la bibliothèque, nous allons pinker votre curiosité pour que vous voyez la vie en prose. Alors, vous l'aurez compris, c'est ce savant mélange qui fait de l'espace 110 Centre culturel d'Ilzac la maison des plaisirs. Une maison qui va se transformer tout au long de la saison. Nouvel accueil, nouveaux bars, nouveaux espaces de travail. Les travaux vous accompagneront tout au long de la saison. Une maison qui fonctionne au quotidien, du lundi au samedi de 9h à 23h, et ceci grâce à une équipe de professionnels passionnés, Antoinette, Argine, Armel, Céline, Charline, Clémentine, Denis, Dominique, Frédéric, Hélène, Jean-Pierre, Lionel, Pascal, Raphaël, Robin,
Sébastien, Valentine et Violette. Cet ensemble, accompagné des femmes et des hommes qui font cette maison, spectatrices, spectateurs, adhérentes, adhérents, festivaliers, festivalières, lectrices, lecteurs, bénévoles, animatrices, animateurs, artistes, que chaque jour nous distillons du plaisir à n'en plus finir. Le téléphone ! On n'a pas mis de répondeur ? Mais il est où le téléphone ? Elle est où, Raphaël ? Bon, on n'en sait rien. Il est où le téléphone ? Attendez, il est là. Se dépêcher, je pense qu'on va le rater cet appel. Hein. Valentine, Sébastien, si vous pouvez éventuellement leur donner une main. Ah ben Raphaël, elle est là. Vous voyez, quand vous appelez à l'espace 110, voilà à peu près ce qui se produit. Mais on va y arriver, j'en suis à peu près convaincu. Monsieur le maire, fermez les yeux. Raphaël, c'est pour toi. Cette soirée. Thomas est-il satisfait ? Depuis le temps qu'il le piaffe pour nous présenter sa nouvelle nuit en rose, il nous en aura fait voir de toutes les couleurs. Comme à son habitude, très pointilleux sur les nuances de couleurs à choisir, après plusieurs propositions, le choix a bien dû se faire sur deux couleurs. Enfin, heureusement, nous n'avons pas eu une nouvelle guerre des deux roses. Ce choix de couleur, le rose, pour exprimer le plaisir, allait de soi. Quand le vert avait été choisi en 2020, tous les feux sont passés au rouge. Mais le vert de l'espoir a été le plus fort et toute l'équipe s'est mobilisée et nous a conduits en apesanteur. Quant au défaitisme, il a été envoyé sur les roses. Thomas, notre chevalier à la rose, nous a concocté une saison qui nous fait déjà rosir de plaisir par sa qualité et sa diversité. Avec exigence et éclectisme, il compose avec tous ses artistes un magnifique bouquet de roses. Cette plaquette qui propose une nouvelle palette de choix et les passerelles mises en place par toute l'équipe permettent d'y trouver son bonheur. En passant par les multiples activités, la bibliothèque où on ne trouve pas uniquement la bibliothèque rose et le festival Bédessiné. Tout cela en parfaite harmonie avec la programmation. Cette saison ne peut que nous faire envie.
Aussi, je souhaite que dans chaque foyer d'Ilzac, et d'ailleurs, on entende tout au long de l'année dire « Mignonne, allons voir si la rose, en prenant le chemin de l'espace 110. » Bonne fin de soirée à tous et bonne saison. Merci Jean-Pierre. Et voici toute la belle équipe de l'espace 110. Merci de les applaudir bien fort. Avant d'inviter notre valeureux public au verre de l'amitié, Jean-Luc, je te laisse où tu veux, si tu veux conclure cette belle soirée à nos côtés. Bien. Je pense que tu vas me dire que j'ai une minute. Une minute. Bon, vous voilà rassurés. Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues élus, chère Lara, que je salue tout particulièrement puisque nous avons été élus ensemble à la communauté européenne de collectivité européenne d'Alsace, je me trompe chaque fois. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vous salue ce soir à l'occasion de cette belle, très belle présentation de saison, hein, qui, comme vous avez pu le constater, témoigne encore de l'activité de l'espace 110, de la diversité et de la qualité de la programmation, à l'instar des autres années, j'ai envie de dire. Mais on pourrait penser que c'est juste devenu normal, mais en fait, non. Parce que je viens assez régulièrement à l'espace 110 et je peux vous dire, et vous le savez, vous êtes nombreux à le savoir, que ce n'est pas le fruit du hasard, hein. C'est juste une conséquence. La conséquence d'une belle dynamique d'équipe, vous les avez vus là tout à l'heure, je sais qu'ils sont déjà en train de préparer le buffet, n'est-ce pas? D'une belle dynamique d'équipe, dynamique teintée de professionnalisme, d'enthousiasme, ça s'est ressenti, de proximité, de facilité, il faut le dire, et de motivation. Et tout ça autour de Thomas Reys et du président que nous venons d'entendre à l'instant, Jean-Pierre Verdeillan, autour d'un projet de structure, il faut le dire, projet de structure qui pouvait paraître atypique, qui maintenant, aujourd'hui, sert souvent de modèle, puisqu'il s'est concilié à la fois ce que j'appelle encore, ça fait un peu rétrograde, l'éducation populaire, mais c'est un terme qui sonne bien à mes oreilles, et la culture, et vous savez que nous y sommes très attachés à Ilzac. Alors, de l'enthousiasme, du professionnalisme, de la proximité, de la simplicité, de la motivation, les ingrédients humains sont là. Rajoutez-y une petite dose, parfois une grosse, de subvention. Eh oui, il faut le dire quand même. Et puis, ma foi, des locaux qui sont plutôt bien adaptés, mais qu'il faudra retravailler quand même. Vous avez vu, là, quand ils veulent passer un coup de fil, ça commence à être l'enfer. Il va falloir revoir tout le circuit. Et donc, réjouissez-vous, vous allez vivre un an de travaux. Thomas est content, est heureux. Donc, tous les ingrédients sont réunis. On peut les mettre dans le mixeur pour faire une belle saison. Saison que je souhaite très belle. Saison qui vous est offerte par l'espace 110 et saison à laquelle j'espère vous participerez nombreux. Merci. Merci. Et pour finir, un tout petit mot, je ne savais pas qu'il y avait un dressing code ce soir, un dress code ce soir. Je n'ai pas mis ma chemise rose et franchement, j'envie un peu les belles baskets roses de Thomas. J'espère qu'il me les prêtera. Et je finirai là-dessus pour revenir à l'allusion à ce que le président a dit sur les couleurs. Certains esprits malveillants pourraient se poser des questions
surtout en cette période électorale, puisque nous sommes passés, si j'ai bonne mémoire, du rouge au vert, au bleu et au rose. Quelle est la couleur de l'année prochaine ? Quelle est la couleur de l'année prochaine et comment cela peut-il être interprété par certains candidats politiques ? Est-ce que les... Bonne soirée à vous ! Alors, pour finir, tout simplement, belle saison de plaisir à toutes et à tous et on se retrouve dehors pour le verre de l'amitié. Bonne soirée et on espère vous voir nombreux tout au long de la saison. Bras.